Yo, bonsoir pour nous tous, spécialement tout le monde qui suit nous. Kounyeya, dans le pays États-Unis. Bienvenue dans le journal Creole, nous, mes différents points qui dominent l'actualité dans la cour pays d'Haïti. Président Martelly Chita a parlé avec 9 membres caribéens jeudi mardi dans le palais national après l'aide conseil électoral provisoire qui a écrit chef l'État 4 janvier passé. Pas d'informations qui sortit sur le rencontre. L'important pour toi pouvoir l'État dialoguer pour jouer une solution à la crise électorale. Là. Déclaration sénateur Andris Richer qui croit démarche ça à épanouir le pays en un vide institutionnel 7 février qui vient là. Quand le groupe prend notre rapport commission évaluation électorale indépendant avec recommandation LIO et puis demander toute institution l'État yo acteurs politiques yo pour agir dans l'idée pour permettre Haïti gagner un président qui installé 7 février qui vient là. Pour l'année 2016 là l'État haïtien doit mettre accent sur réforme dans administration publique là et puis by plus j'arrête avec secteur agriculture et infrastructure s'il voulait gagner un véritable développement économique d'après économiste Guichard Doré. N'a prend une pause n'a tourner pour développement journal là restez branché signal. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après pause là. Merci d'être resté branché Télésignal. N'ap tanmen ak dossier élection. Président Martelly Chita a parlé mardi 5 janvier 2016 là nan palais national ak membre conseil électoral provisoire. Rencontre ça vini après lettre KPN te écrit président République là pour expliquer li pas possible pour réaliser deuxième tour élection pour poste président nan date 17 janvier 2016 là. Jean président mandé ça. Quand il peut expliquer, il n'y a pas qu'à gagner un rapport commission évaluation. Hein? Et puis tout, elle considère arrêter pour demander au peuple à le voter hein, pour publier. Deux jours à trois petits pour faire préparation nécessaire pour réaliser l'élection. Ça y est. L'important pour toi pouvoir dans l'État, si tu as parlé dans l'idée pour porter une solution à la crise paysan, à faire face jour et jeudi. Hein? Ça cap éviter paysan qu'on ait un vide institutionnel 7 février cap venir là. C'est position président Sénat République là qui t'est convoqué sénateur qui en fonction yo dans une rencontre dans parlement jeudi mardi dans l'idée pour commencer des marches sous Chita Palessa. En écoutez sénateur Andris Richer dans micro Wesley Antoine à qui vont s'y. J'estime qu'il est de mon devoir de m'adresser aux deux autres pouvoirs de l'État, c'est-à-dire le président de la République, M. Joseph Michel Martelly, et M. Cantave, qui est le président du pouvoir judiciaire, qu'une rencontre doit être organisée immédiatement pour que les décisions qui s'imposent, faites pour prendre, pour que le 7 février 2016, pays a pas retrouvé en carence de pouvoir. Dans ce sens, ça, en ma qualité de président du Sénat, j'ai demandé à tous les sénateurs de se présenter. Je sais que vous autres de la presse, vous vous amusez avec un ton humoristique pour nous dire que reste Sénat. Mais il n'y a pas reste pas gain reste Sénat, gain 2-3 sénateurs crétés, mais le Sénat reste demeure l'institution étatique de ce pays, composant l'ossature du pouvoir d'État. Alors, dans ce sens-là, nous avons convoqué une réunion avec qui nous allons discuter avec les autres sénateurs pour que nous entreprenions dans les heures qui suivent, des négociations avec les deux autres membres du pouvoir pour qu'une décision soit prise sur l'avenir du pays. Sénateur Steven Benoît qui te répond présent à convocation président Sénat. Quoi c'est haïtien qui promettait tête ensemble pour jouer une solution à la situation pays en trouvée jeudi.
Sénateur en quoi doit gagner une entente qui joigne en tout acteur politique avant 7 février cap venir là. Il était dans micro Wesley Antoine à qui vont essayer. Un an de travail pour me faire dans le Sénat et président convoqué matin en tant que sénateur et ouais moi là à l'heure comme d'habitude pour mal discuter avec président pour nous voir comment nous mêmes politiciens sénateurs en fonction comment nous cap retirer pays à dans crise cap dans nous là et étape grave pour nous mêmes sénateurs nous pas dit rien nous pas fait rien pour le 6 février encore une fois et nous connait pas ça nous détester pour ces blancs international qui va venir nous une solution parce que 7 février mandat président Martelly fini après t'es seulement 10 élus qui sont 10 sénateurs de chaque département pays a même sénateur département l'ouest en attendant que deux autres sénateurs viennent joindre nous donc nous mêmes je dis à des urgence et me comprendre président Richer faut sénateur Yoshita faut nous débattre pour la situation politique pays a et faut nous joindre une solution. Li anormal pour chaque 4 ans, chaque 5 ans, c'est blanc qui a dit ça pour nous faire. Entrée parlementaire là, encore une fois, il faut l'obliger à l'ordre du jour. Et d'habitude, comment on fait? Faut le tout processus à boucler. Sénateur, député, entrée pour tes fonctions. Ma présidente, tête moi. En novembre 2010, m'te élu bonheur, bonheur. M'te tenu jusqu'à avril pour m'vin là. M'bat gen certificat, m'bat gen moniteur. M'te tenu. Alors que de gen 20 sénateurs là, m'te kap vini vin faire 21 puisque m'te gete élu et m'pa contester m'a rappelé ça même pas de contestation m'pa me BCED BCEN mais m'te tonne donc je dis à m croire que année pas tué moi pas tué c'est pas une ou deux semaines kap tué dans notre représentant spécial secrétaire général Nations Unies ak membre communauté internationale là qui formait corps groupe là dit yo prend notre rapport commission évaluation électorale indépendant à recommandation liyo pour permettre un processus électoral l'arriver dans bout li dans toute transparence. Corps groupe l'a mandé toute institution l'état yo acteur politique yo pour prendre bon janmezi pour permettre à Haïti gagner un président tout neuf qui installé 7 février qui venir là Jean Maman loi payant mandé ça. L'autre nouvelle, Conseil national haïtien acteur non étatique, CONAN, salue rapport commission évaluation électorale indépendant. D'après coordonnateur CONAN, rapport ça, même s'il n'est pas suffisant, permet de gagner lumière qui fait sous un pile cas fraude et irrégularité qui était gagné dans la dernière élection. Il y a une nécessité pour gagner bon gens passer main qui fait dans le processus de tabulation. On suit la précision dans le micro Pierre Lunico Revenge avec Max Joseph. Il est vrai qu'il y a des secteurs politiques qui réfutent le rapport là. Nous-mêmes, nous croyons que le rapport là est bon de ce qu'il existait. Et il est vrai que nous ne sommes pas satisfaits complètement de la pas gain, véritablement vérité totale qui est établie sur le 25 octobre là. Mais il montre nous que nous sommes capables de creuser et davantage aller fouiller davantage pour nous joindre en vérité et sur vote là. Il est bon pour que yo approfondi et épuré en tout cas tout et pour ces verbaux que yo traité yo pour yo ta capable garder véritablement qui est qui est sorti premier, deuxième et troisième. Et maintenant, le rapport a existé, il recommandé que gagnent un dialogue et qui fait nous croire que dans le cas où nous y a, nous avons besoin ou bien faire épuration. Ça est capable de prendre un pile de temps, il est capable de prendre en deux semaines. Et pour nous faire épuration, pour nous, même si c'est 5% votants, et puis nous sommes capables de faire sortir qui est-ce qui est premier, qui est-ce qui est deuxième, en écartant toute irrégularité et fraude que, qui est capable d'entacher le processus. Légitimité LIO, c'est un élément qui est indispensable pour la stabilité politique paysan. Dans ce sens, Edouard Poltre mandé tout acteur politique pour rejoindre une entente patriotique dans l'idée pour empêcher le pays de tomber dans une crise tête chargée. Il était dans le micro, Pierre Lunico Revenge avec Max Joseph. On suit. Il y a des gens qui ont parlé de transition. Moi-même, ça m'a souhaité. Et ça m'a pensé que c'était plus bon pour le pays. C'est que nous arrivons à joindre une entente côté
nous mettons nous d'accord qu'il y a deux mouns qui pourraient le faire fin et deuxième tour élection. Nous boucler élection présidentielle. Même si l'organiser après Mbakone, avant ou bien après 7 février, de toutes les façons, en tant que politique là, ça permet que si on transition n'a fait transition de très très courte durée. Il est capable de faire 2 mois, il est capable de faire 3 mois. Le temps pour élection organisée, résultat proclamé. Moi, je pense que. Je crois qu'il faut une entente qui joigne. Les gens qui ont fait politique véritable, ils n'ont pas gardé intérêt ou d'abord, ils ont gardé intérêt pays, intérêt nation. Intérêt nation, moi-même, selon moi-même, c'est finalisation processus ça pour que nous capables de gagner des institutions démocratiques qui a fonctionné et fonctionné correctement. Rapport commission évaluation électorale indépendant révélé différents cas fraude système électoral l'ont favorisé d'après analyse politologue Gracien Jean. Professeur a expliqué que ça qu'il a depuis fin régime Duvalier yo gain en pile conséquences sur développement paysan parmi yo créer instabilité à crise élite dans paysan. En coûte explication professeur Gracien Jean dans micro Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Là nous prend rapport là en lui-même rapport là censé capable de lui ouvrir un boulevard dans le sens que chaque secteur capable tirer parti dans intérêt propal utiliser rapport là ce qui pral polariser secteur qui en face de plus en plus. Donc en fait rapport là t'es droué même genre un rapport très très technique dit 1 2 3 4 qui ça pour faire 1 confirmer à partir de l'échantillon d'argent le positionnement ou encore configuration tendance de vote d'agent DIA ou bien infirmerie et une recommandation que tu as demandé pour maintenir second tour là avec même de Mounio ou encore aller au-delà de Deyo si normalement j'ai échantillonnage là analyse que tu fais au même temps avérer ce qu'on appelle des irrégularités graves d'après des professeurs de Roche qui assimilables à des fraudes. Ouais, ou qu'assimile à des fraudes. Si on analyse le rapport là en profondeur par rapport à l'échantillonnage là, nous pas dans une simple fraude, mais c'est une fraude systémique. Les petits systémiques là sont fraudes organisées qui organisées à différents paliers, à différentes structures en dedans machine là, qui capables d'échapper à conseiller électoral, surtout lorsque conseiller électoral n'a pas fait office de technicien, il fait office de conseiller administratif, résoudre questions politiques et résoudre questions application et décret électoral. Et comme proposition à crise politique qui a saccagé le pays, le politologue Gracien Jean m'a demandé pour avoir un médiateur international qui n'a pas été trempé dans le blocage politique. Là. Dans ce sens, le politologue l'a proposé pour faire appel à l'organisation Union africaine pour expertise li dans la résolution du problème. Il a répondu à une question Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Et le rapport, ce qui est très intéressant, le rapport là, il y a une solution quand même. Le rapport là admet que le processus électoral a un problème, il faut trouver un accord politique pour continuer le processus. Un, c'est de trouver un accord politique pour continuer le processus. Est-ce que cet accord politique pourra le déboucher vers l'acceptation des deux candidats au second tour, Jovenel Moïse et Jules Célestin? Est-ce que l'acceptation d'un accord politique va vers ce qu'on appelle peut-être les 10 premiers au front tour, un seul tour avec 10 monde? Ou bien est-ce qu'on va vers des élections à un tour pour les 54 candidats avec la possibilité que l'ADO est capable d'exister? Donc ce sont des pistes, on recherche des solutions. Et maintenant, acteur maintenant, qui est très important que Mbral dit en matière de résolution conflit politique qu'il a. Je dis à les acteurs politiques haïtiens pas qu'à assurer la médiation. Ils n'ont pas qu'à assurer la médiation. L'Église catholique ne peut pas. L'Église protestante ne peut pas non plus. L'OEA ne peut pas non plus, parce que le groupe observateur, dit parti prenant. La mission de l'Union européenne, dit parti prenant. Les mêmes tout, les Nations Unies pas capables d'ériger le média là. Et ma baïtuyoa, c'est pour faire un accord politique. Un seul médiateur capable de briller là, c'est l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, qui totalement en dehors géopolitiquement de Girondin, qui est censé un médiateur qui est vraiment externe là.
Docteur Jean-Enold Buteau, vous jetez rapport commission évaluation électorale indépendant. Li estime commission man pas cohérent dans travail li. Porte-parole à Soan qui croit li impossible pour deuxième tour élection présidentielle là, t'arrivé organisé dans date 17 janvier 2016, proposé pour gagner un gouvernement transition qui prend la relève pour juger tout le monde qui fait crime contre nation. On coûte le micro Ludmia Mock à Kondi Henry. Pour mon dim, on organise aussi haut, aussi élevé qu'un conseil électoral, qui sont juges d'ailleurs, sont juges électoraux liés, pour ou accuser, parce que c'est pas moi qui accuse, c'est monsieur porte-parole commission, hein? Il dit que faut écarter des gens dans la commission, hein? dans le conseil électoral, pardon, pour être grave accusation de corruption et de fraude. Ce sont ses propres termes. Ce n'est pas moi qui dis. Et puis, pour qu'on ait dit, pour le processus avancer. En attendant, moi, je crois que la communauté internationale, là, il faut que nous disions bas les masques. Ce n'est pas normal, par exemple, pour au monde a dit que le processus ça faut le continuer. Qu'on ait l'air possible. Donc, les questions comme tu as dit, moi-même, en tant que proposant, il n'y a pas de doute que nous avons besoin en transition. Mais ma privé loin. Nous n'avons pas besoin de transition uniquement parce que y a un vide, y a une acéphalie dans notre pouvoir. Ou bien parce que le président n'a pas continué. Non, non. Nous avons besoin de transition vraiment pour créer une rupture avec tout mécanisme de dictature et tout mécanisme de corruption qui gagne dans le pays. Il faut le faire une fois pour toutes. Nous avons besoin d'un gouvernement de transition pour juger et pour établir responsabilité de tout le monde qui commet crime contre les intérêts supérieurs de la nation et pour payer pour le crime. Ça va valable pour le CEPA, ça va valable pour le gouvernement. Nous continuons avec le journal. Il y a l'autre bord, responsable alternative à socialiste l'a expliqué. La crise politique paysan a fait face dernier temps. Ces résultats, la crise qui toujours a taillé le mandat dans le paysan depuis l'année 86, ajouté à la mauvaise gestion, l'équipe qui est sous pouvoir, qui a reproduit l'ancien système. Là. Limande pour tout acteur conséquent dans la vie nationale là pour couper fâché avec ancien pratique sa yo. Docteur Jean-Enold Buteau. La crise ça, c'est une crise vraiment qui se résultat de toute crise, un ensemble de crises vraiment structurelles qui commençait, comme on l'a dit, depuis un moment de transition 1986. Là. Mais il n'y a pas réussi, d'accord, casser, briser tout mécanisme dictatorial. Donc, il y a un pile qui était comme vestige. Donc, d'un côté, c'est ça. De notre côté, c'est que les dirigeants actuels, justement, ils ont profité de faiblesse que le système n'a gagné pour être capable d'essayer de tirer profit de lui et pour être capable non seulement prendre des avantages matériels du point de vue financier, corruption, l'argent, privilèges injustifiés, etc. Mais en plus de ça, tout, pour être capable d'essayer de reproduire tête, créer une certaine perpétuité dans le pouvoir. Pour échapper à la poursuite judiciaire et pour continuer à jouer. Et c'est, donc c'est ça que lecture nous fait. De toute façon, moi-même, dans une certaine mesure, en tant qu'avant-garde, en tant que membre d'une organisation politique, que nous considérons être nos démocratiques, progressistes, socialistes, ça nous pas foutu pas à camper en croix de vol et nous représenter la population dans ce sens-là. En tant que parti politique, nous voulons être porteurs de revendications, population en général et pour revendications massives. Tout. L'autre point, économiste Guichard Doré, quoi pour l'année 2016 là, l'État haïtien doit mettre accent sur réforme dans l'administration publique là, et puis by plus j'arrête avec secteur agriculture, infrastructure, services et latrier, s'il voulait envisager un véritable développement économique pendant l'année ça. Économiste là, t'as porté plus d'explications dans le micro collaborateur nous, Pierre-Lunique Revanche avec Jean-Samuel François. Pour 2016 là, faudrait-il que nous mettions accent davantage sur ce qui est nécessaire pour Haïti, le développement économique et le développement social. Probablement au niveau institutionnel, il faut que nous fassions des réformes qui sont nécessaires dans l'administration publique là. Parce que l'administration publique là, c'est vrai que libre emploi, mais nous représente également une bonne partie des dépenses de l'État. Donc, il faudrait qu'il y ait des réponses qui portent à ça pour la population qui a un service qu'elle a besoin. Sur le plan économique, il y a des secteurs qui sont identifiés déjà par plusieurs études que l'État a fait, le ministère de l'économie, le ministère du plan fait, que donc qu'ils n'ont qu'à faire des avances à payer. Par exemple, le secteur de l'agriculture, par exemple, c'est un secteur qui a créé un paquet d'emplois dans le pays. Donc, il y a 160 000 hectares qui sont irrigables. Si nous faisons
au moins mettre ça en valeur, yo chaque ta créer 2 emplois par hectare. Ouais, tout emploi nous gain. Donc là, donc moi je pensais que c'était très important au secteur l'agriculture, ce secteur qui a créé emploi dans le pays. Donc il y a le secteur de la construction par exemple, le bâtiment après le tremblement de terre, donc on était gain pile caille écrasé. Donc là si son secteur crée emploi en pile. Imaginons un monde qui a fait un caille qui a coûté lui m'a dit 50 60 000 dollars, moi pour un petit cas, moi pour gros caille non. Et là au moins sur une période de 6 à 7 mois, il a mobilisé 10 monde qui travaille là-dedans. Et si nous mettons sécurité sanitaire, comme nous-mêmes nous disons dans le programme, nous, sécurité sur les titres de propriété, et donc vous permettez à nous d'acheter un terrain, il n'y a pas de conflit sur le terrain, hein, nous assurer que c'est le monde qui a bon lien, c'est pour les liens, le bon papier, et bien il y a pile de monde qui a fait prêt la banque qui a construit. Dossier météo, c'est Kounia à la collaboratrice nous, Slène Séjour. En suivant. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la deuxième sortie bulletin météo pour semaine nan, qui j'ai une situation synoptique la présenter dans Caraïbes la axe Atlantique là. Nous gagnons l'air sec, c'est lui-même qui a influencé conditions météorologie bassin Caraïbes là pour jeudi. Ça qui a limité activité la pluie sous pays d'Haïti pour saison ça. Kounya n'a quitté pays d'Haïti pour nous connaître qui j'ai conditions temps présenter dans pays Australie. Gros la pluie tombé dans partie sud de pays Australie, il a causé inondation dans plusieurs villes dans pays Australie. J'ai constaté là inondation ça il a cause un paquet machine collé dans la boue, il a cause un paquet dégâts matériels. Pour le moment, il y a pas déclaré aucun victime. N'a pas traîné dans pays d'Haïti pour nous venir connaître qui j'ai température il a présenté bon côté plusieurs villes dans pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout territoire pays d'Haïti entre 24 et 18 degrés. Température là il pas monté que 24 degrés et il pas descendre que 18 degrés. Différence de température nous pour Assouéa, lycée 6 degrés. Zone de température la plus élevée pour Assouéa, c'est Jérémy qui a 24 degrés. Zone qui a fait bon, c'est Okaï qui a 23 degrés. Jacques Mel, Miragouane qui a 22 degrés. Gonaïve qui a 21 degrés. Et puis Fort Liberté qui a 20 degrés. Zone de température la fait très bon pour Assouéa, c'est Okapaïsien Inchin qui a 19 degrés. Et puis Port de Paix qui a 18 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température la 21 degrés. La fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. Nous avons une légère brise qui a pris direction sud-est avec une vitesse 8 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord que nous avons la mer peu agité. Nous avons dit au plus prudent quand même. Et nous avons dit tout ça qui est dans le golfe de la Gonave que nous avons une belle mer. Et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud que nous avons la mer agité. Nous avons dit au plus prendre un peu de précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans la mer. Jeudi, un soleil levé à 6h24, li couché à 5h24. Ça qui fait que nous te gagné 600 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous poissoué à l'idée, bourrique chargé, pas crampé. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie bulletin météo pour ce matin. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. Merci en pile Slène. C'est la journal rivé dans Boutli, mais titre nous te développé pour vous jeudi. Président Mantelli chita parlé avec 9 membres KEP jeudi mardi dans le Palais national après l'aide conseil électoral provisoire te écrit chef l'État 4 janvier passé. Pas d'informations qui sortit sous rencontre là. L'important pour toi pouvoir l'État dialoguer pour jeunes solution à la crise électorale. Là. Déclaration sénateur André Trichet qui croit démarche ça à épanier pays yon vide institutionnel 7 février cap vini là. Comme groupe lundi, on prend notre rapport Commission évaluation électorale indépendant à recommandation LIO et puis demander toute institution l'État, acteurs politiques, pour agir dans l'idée pour permettre à Haïti d'avoir un président qui est installé 7 février cap vini là. Pour l'année 2016, l'État haïtien doit mettre accent sur réforme dans l'administration publique là, et puis by plus j'arrête avec le secteur agriculture et infrastructure s'il voulait gagner un véritable développement économique. D'après économiste Guichard Doré. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas ce rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sous Télésignal. Restez branchés et puis une bonne année 2016.